Baello Claudia est une petite ville de l'Hispanie romaine bâtie dans la région du détroit de Gibraltar. Elle est implantée au fond de la baie de Bologna, environnée de collines. Baello a été construite à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Victime d'un violent séisme dès le milieu du 1er siècle de notre ère, elle a été par la suite restaurée, reconstruite et grandement embellie, pour être endommagée par un nouveau séisme probablement au 4e siècle. Avec sa trame urbaine en damier, avec sa parure monumentale civile et religieuse, caractéristique des plus grandes villes romaines, Baello Claudia est un remarquable terrain d'étude. C'est l'histoire de sa découverte, celle des fouilles archéologiques centenaires, celle des études architecturales qui sont ici comptées. Baello a été identifié par les historiens dès le 19e siècle. Les fouilles ont débuté en 1917 sous la direction de Pierre Paris et Georges Bonsort. Cette première phase s'est poursuivie jusqu'en 1921. Bologna était alors un hameau de petites maisons au toit de chaume. À ce moment, affleuraient les vestiges de la couronne supérieure du théâtre, quelques portions du rempart, et une rupture de pente suggérait la place du forum. Les archéologues choisirent les zones à explorer pour leurs intérêts scientifiques, mais aussi en fonction de la possibilité de fouiller entre les terrains agricoles et bâtis. Ils mirent au jour la porte de Carteia, à l'est de la ville, les nécropoles sous la plage, et trois temples quasi identiques dans le chemin de transhumance qui reliait le bord de mer aux collines environnantes. Au théâtre, les archéologues travaillèrent dans le jardin d'une fermette. Des fabriques à salaison de poissons furent découvertes sous la place du village. Lors de la reprise des recherches par les archéologues de la Casa de Velázquez, le village avait peu changé. Quelques masures avaient été démolies, d'autres maisons avaient été bâties, et les toits de chaume quelquefois remplacés par des couvertures en tuiles. À ce moment-là, la caserne de la garde civile était encore le plus grand édifice de la baie. Après deux premières séries de sondages stratigraphiques destinés à établir la chronologie du site, les travaux portèrent essentiellement sur le centre monumental. Les trois temples du Capitole dominant une fontaine au nord du forum. À côté, un petit temple. À l'ouest, la curie et trois autres édifices publics. Le Decumanus Maximus et la porte de Carteia. Ainsi que des petits thermes. En 1970, les autorités espagnoles ont commencé un programme d'expropriation des terrains et des maisons situés sur l'emprise de la ville antique. À partir de 1972, ces maisons ont été détruites. Et la route militaire qui barrait le site depuis la Seconde Guerre mondiale fut déviée au-delà du site archéologique. Ainsi, le marché et la basilique, partiellement recouverts par la dite route, purent être pleinement étudiés. Entre la fin des années 70 et l'an 2000, les plus grands monuments de la ville ont été fouillés, et pour cinq d'entre eux étudiés et progressivement publiés dans la série monographique Baello. Le marché, ou Maquellum, construit au début du IIe siècle, a été le premier édifice à faire l'objet d'une monographie architecturale. Il est flanqué de boutiques ouvertes au sud sur le Decumanus Maximus. À l'intérieur, une cour dessert 10 boutiques à mezzanine. Au centre, un petit édicule couvert servait sans doute à la vente du poisson. Et face à la porte, une petite exèdre accueillait dans le fond un autel dédié aux dieux du commerce. Le Capitole rend compte de l'architecture religieuse à Baello Claudia.
les trois temples s'inscrivent sur la terrasse dominant le forum. Ils ont été bâtis autour de 60 après Jésus-Christ, très certainement en remplacement d'un sanctuaire abattu par le premier séisme. Le temple central et le temple ouest ont été construits en premier, quelques années avant le temple oriental qui se distingue d'ailleurs par son décor. Ils étaient dédiés à la triade capitoline, Jupiter, Minerve et Junon. Un culte à l'empereur était aussi rendu dans l'édifice central. Le sanctuaire d'Isis fut bâti une vingtaine d'années après le Capitole. Il est fermé par une enceinte, et deux tours simulant un pylône à l'égyptienne encadrent l'entrée. Le lieu est clos et réservé aux seuls adorateurs de la déesse. On construisit d'ailleurs le mur périphérique avant de procéder aux aménagements intérieurs afin de cacher son organisation aux profanes. À l'intérieur, dans une cour entourée d'une galerie, s'élève le temple, la maison de la déesse, dont l'entrée était gardée par deux sphinx en marbre. Une baignoire, un puits, un foyer, un autel et plusieurs tables pour le dépôt des offrandes complètent les attributs nécessaires au culte. Dans le fond, une cuisine est accolée à une petite salle de banquet. Et dans la salle la plus retirée du sanctuaire, on procédait à l'initiation des futurs adorateurs de la déesse. Faisant face à la terrasse des temples et fermant le forum au sud, la basilique fut construite dans les années 40-50 en remplacement d'une solide construction antérieure. La fouille de la basilique fut d'une grande richesse. Le bâtiment s'était effondré sur lui-même lors du séisme du IVe siècle et les matériaux n'avaient pas été récupérés. La basilique est fermée en rez-de-chaussée, ouverte à l'étage. Elle est accessible par deux portes en vis-à-vis. L'une ouvre sur le forum, l'autre sur une placette en bordure du Decumanus Maximus. Elle est composée d'une grande salle avec une colonnade à deux niveaux délimitant l'aire centrale de la galerie périphérique et d'un escalier d'accès à l'étage. À son extrémité ouest, cinq piédestaux ont été retrouvés. Sur l'un d'entre eux se dressait la statue de l'empereur Trajan, effondrée parmi les décombres. En 1982, la statue fut transférée au musée archéologique de Cadix et remplacée par un moulage. Le théâtre est encore en cours d'étude. Sa construction a été réalisée en deux temps. Toutes les maçonneries intérieures avec l'angle externe côté ville dans les années 60 et le reste de la façade 20 ans plus tard. C'est un petit édifice pouvant accueillir environ 3000 spectateurs. Les vestiges en place, conjugués à l'analyse des blocs d'architecture errants, autorisent à restituer une cavea divisée en deux zones de gradins. Elle est couronnée par une plateforme semi-circulaire. Le spectacle est donné sur la scène surélevée devant l'orchestra. Le bâtiment de scène fait office de décor permanent dans le fond. Il peut être restitué avec deux niveaux de colonnes, encadrant les trois accès des acteurs à l'estrade, ainsi que les deux portes secondaires. Depuis le début du XXIe siècle, l'amplification des travaux de terrain et leur internationalisation tendent à diversifier considérablement les sujets d'études. Aux équipes liées à la Casa de Velázquez se joignent d'autres universités, tant espagnoles qu'européennes, sous la supervision du Corunto Archeológico de Baello. Certaines s'intéressent à l'habitat, à l'artisanat, aux techniques de construction. D'autres sortent de la ville, cherchent le port ou font des études sismologiques. Toutes
œuvre pour une meilleure connaissance de la cité romaine de Baello Claudia.